Boker Tov, Boker Or, on poursuit ce matin Be'ezrat Hashem, nos halachot de Sfirat HaOmer. On l'a dit précédemment que la mitzvah de Sfirat HaOmer, bizmanate de nos jours, est selon la plupart des avis une mitzvah d'ordre rabbinique, donc midei rabbanan. Voilà pourquoi la lecture du passage qui précède se faisait en l'absence de la formule de mitzvah arsé. Une personne qui a dit la bracha de Sfirat HaOmer, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu, Mitzvotav et Tzivanu, Et au moment de dire la bracha, cette personne pensait qu'on était, je ne sais pas, le mauvais jour, bref, le cinquième jour, alors que c'était le six. Et puis elle a eu de l'inspiration à la fin de la bracha. Et au moment de conclure la bracha, juste avant de dire le vrai jour, elle s'est souvenue que c'était pas le 5 mais le 6, ou pas le 6 mais le 7, bref. Est-ce que la bracha est bonne? Est-ce qu'elle peut compter malgré tout ou non? Alakha lemaase, bien que initialement on ait l'obligation, le devoir de penser au bonjour au moment de la bracha, on a un devoir de penser au bonjour avant de commencer la bracha. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de refaire la bracha puisqu'on appliquera le principe de safek et des rabbanan leakel, un safek, un doute qui est lié à un principe rabbinique. On est beaucoup plus indulgent le concernant. Étant donné que la mitzvah de Sfirat HaOmer est une mitzvah d'ordre rabbinique, donc celui qui n'a pas appliqué correctement les principes qui lui ont été imposés, c'est-à-dire de penser au bonjour au moment de la bracha, n'aura pas besoin malgré tout de reprendre la bracha. Il suffira simplement de dire le beaucoup et de conclure cette mitzvah convenablement et au primitif.